Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY. Donc on va vous expliquer comment on a réalisé du coup ma tête de lit. Donc on s'est rendu chez Leroy Merlin. Bon d'abord j'avais un peu regardé tout ça, comment on procédait. J'avais dessiné au préalable la tête et... dessiné non plus. Si, on savait à peu près la taille et tout, enfin, on est parti préparer quand même. Voilà, donc du coup on est parti chez Leroy Merlin, on est allé à la découpe. On a donc tout calculé, tout ça, on a récupéré nos planches, on les a chargées dans la pièce. Je vous mettrai quelques petites photos. Et du coup, voilà, donc en fait c'est hyper simple, on a juste positionné les planches par terre. Et après on les a fixées entre elles avec la perceuse, des vis et des équerres, ouais. Et voilà. La seule complexité c'est que comme le lit est très grand parce qu'il fait 180, on a eu une petite problématique parce que les planches de chez Leroy Merlin n'étaient pas suffisamment grandes, donc on a dû en assembler deux sur la hauteur. Et du coup on a fini sur les côtés pour encastrer donc les prises et les interrupteurs. Problème de princesse. Problème de princesse. Voilà. On a déjà réalisé les moulures sur le côté du mur. Bon, la peinture aussi est maison, hein, ça vous le voyez. On a aussi réalisé la tête de lit et on vous dit à très vite pour un nouveau Do It Yourself. Salut!